Hey mes petits culs, chéris d'amour, et bienvenue pour un nouvel épisode des Sims Medieval. On va partir du coup tout de suite, right now, pour une nouvelle caquette. Alors, enfant disparu, mariage, auto d'affé, chasseur de primes, le sanglier sauvage, festival des gitans. PQ, on a 8 PQ. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de PQ? On a fini Non, je sais pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait quand on a plus de PQ? On s'essuie avec les mains? Les grands feux de joie éclairés la nuit. Eh ben allez, on va faire l'auto d'affé. Programme d'alphabétisation ou histoire effrayante. Ah, il me faut un barde. Héros secondaire, sorcier. Héros principal, souverain. Bah écoutez, on va retrouver notre petite chère Iris. Ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vue. L'éducation est une priorité dans ce royaume. Allez, comme ça on va être un peu moins illettré, un peu moins con. Des grands feux de joie éclairaient la nuit à Chabit. Les cris à la fois joviaux et agressifs des paysans résonnaient dans l'air. La grande destruction de livres avait commencé. Oh ah non, mais par contre non, ça va pas le faire. Du jour au lendemain, de nombreux membres de la classe inférieure avaient décidé de jeter des livres au feu. Une pratique désapprouvée par le trône. Ah bah je suis d'accord. Non mais c'est débile. Il y a tellement de belles choses dans les livres. Il devrait exister un moyen de leur montrer qu'ils faisaient erreur. Un héros, héroïne, pourrait-il-t-elle sauver l'écrit? Oui, nous acceptons cette mission. Alors, on va commencer. Hier soir, en jetant un dernier coup d'œil à la fenêtre avant de se coucher, la châtelaine Shirley Rist l'illustre avait remarqué une étrange lumière dans la forêt. Et maintenant qu'elle entendait des rumeurs selon lesquelles des paysans prenaient plaisir à brûler une grande quantité de livres. Ouais, mais d'accord. C'était pour le moins troublant. La châtelaine Shirley Rist l'illustre allait se rendre dans la forêt pour voir ce qu'il en était vraiment. Mais de toute façon, on doit tout le temps aller dans la forêt. Coucou, ma petite fille. Ah oui, c'est vrai. À chaque fois, je vous fais le coup, mais... Se diriger dans les Sims médiévales, c'est toujours une explication bizarre. J'ai toujours du mal. T'as tout près de ton père, toi, hein? Oui, hein? La peau de ta mère, les cheveux de ton père. Eh oui. Et, ah oui! Mais du coup, je pensais qu'on pouvait diriger les gosses aussi, mais en fait, pas du tout. C'est... Voilà. Et ça, c'est notre fils... Non, c'est Nicolas. Où est notre fils? Notre prince. Nous ne savons pas. Bien, mais c'est pas grave, on va aller déjà dans la forêt. Oh, de Dana, la lilala, dans la forêt. J'ai cru entendre le troupeau. Allez, go, ma cocotte. Oh, bah, hé, on est plein aux as, hein, qu'est-ce qu'elle a? Sentiment d'être inculte. Ouais, mais tu peux pas ramasser, ça, c'est notre petite... Notre petite enquêtée sur les autos d'affaires. Notre petite sorcière, je vais y arriver. Ah bah alors, pourquoi j'arrive plus? Ah. Si, moi, c'est comme ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Oh bah oui, il est très tôt, dis donc, j'avais pas remarqué. Ouh, l'illustration est jolie. Quand la châtelaine Sœur Déris l'illustre rentra dans la carrière, elle sentit immédiatement la chaleur du feu sur son visage. Il y avait là de nombreux livres en train de flamber. Shirley Rist resta ébahie devant tous ces gens rassemblés et se demanda comment ils pouvaient être si heureux et unis dans leur haine de l'écrit. Lorsque le feu commença à s'affaiblir et que les paysans repartirent vers la ville, la châtelaine Shirley Rist l'illustre les suivit, bien décidée à les aborder pour leur demander pourquoi ils faisaient cela. Félicitations! Elle était promue souveraine! Elle gagnera plus d'argent chaque jour et réussira davantage ses interactions professionnelles. Le souverain est le dirigeant tout puissant du royaume, ceci a de grandes responsabilités. Avantage du niveau 10. Ouais, on est au top, top, top. Capacité d'imposer des taxes dans le royaume débloqué. Efficacité au combat considérablement accrue. Un niveau plus élevé augmentera de l'argent contenu chaque jour et améliorera les chances de réussite. Waouh! Mais nous avons la côte! Oula, il y en a combien? Les autos d'affé. Parler des autos d'affé. Meilleure relation. Discuter. Discuter. Patrouiller. Patrouiller sur la route. Pourquoi elle... Il, lui, elle... Le Rimbert. Attendez, c'est quoi? Il marquait quoi? Rimbert, paysanna,
Le paysan, la paysanne. Ah d'accord, le paysan, la paysanne. D'accord. Oui, bah là aussi, bah, il y a Flaminia, on sait pas. Ok, on sait pas trop pourquoi ni comment, mais... Tu peux discuter? Ah, ça y est. Allez. Tu discutes avec tout le monde, tu fais... Aucune priorité, aucune... Non. Venek Poussel. Flaminia est arrogante. C'est bien, on a appris un truc. Allez, tu peux déjà commencer à parler. Hop. Eh bien, je ne sais pas lire. Alors à quoi nous servent ces livres? À rien. Par contre, le feu, ce feu nous aide à faire un bon petit repas à plein air. C'est vraiment délicieux, croyez-moi. Ah, c'est tout, il fallait en parler qu'à un seul personnage. D'accord, ok. Rédiger une nouvelle loi d'alphabétisation. Allez, go, cocotte. Allez, on s'en fout, c'est pas grave. Youpla. Alors, nous voilà rentrés. Casse-toi, Anaclette. Cassez-vous. Voilà. Voilà, cela devrait faire l'affaire. Et maintenant, je vais rendre visite à mes amis paysans pour voir à quel point j'ai enrichi leur vie. Parler de la loi de la familiarisation. Ah, oh, mais avec qui ils s'entendaient bien? Ouh, waouh. Discuter, amical, faire connaissance. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es stress? Oh, la faim. Ah oui, pardon. Ils sont où, ces putains de villageois? Oh, tiens. Non, c'est toujours Daenerys. Notre fils a disparu, je sais pas où il est. Où es-tu, espèce de manon? Allez, discuter. Non, amical, toujours. Faire connaissance. Oh, tu te dépêches? Je sais pas où tu vas, mais t'y vas. Alors, parler de la loi de la familiarisation. Glouton, d'accord. Franchement, vous ne pensiez pas vraiment qu'une simple loi pourrait changer l'éducation des paysans de tout le royaume, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous permettre d'apprendre nous-mêmes à lire et à écrire, en plus d'effectuer notre travail quotidien éreintant. La seule possibilité serait d'engager de vrais professeurs. Ben, on va en engager un, professeur locaux, professeur étranger. On va les engager. Qui c'est qui se bat? Cher, cher Sabine, le... Ah ben, c'est notre fils, là! Ah ben, c'est quoi cette coupe de cheveux dégueulasse? C'est... Mais tu es un chevalier comme ton père, hein! Oh, les bons sourcils, ça. Oh, il a les yeux de papa. Il a les yeux d'Aegon, le. Ah oui, mince, je fais le... C'est pas le mot de table, n'existe point. Alors, nous allons faire quoi? Plus vite, je ferai parvenir cet or à Commercial. Plus vite, ils enverront un professeur. Et plus vite, ces autos d'affaires insensées seront terminées. Envoyez 200 simbus à Commercial. Ouais. Est-ce qu'il y a une boîte à... Ouais, il y a ici. Voilà, tu vas le faire. Alors, j'ai envoyé l'argent commercial. Je n'aurai certainement pas la réponse avant quelques heures. Je devrais en profiter pour me détendre et m'occuper de mes affaires. Je suis d'accord, Laurie la brassière. Tu vas rentrer à la baraque? Tu vas y manger? T'as faim? Appelez-moi. Putain de domestique! De mes... Ne pas être vulgaire, ne pas être vulgaire. Une soupe d'ours, allez, youpi. C'est vrai qu'on avait tué des bouts d'ours qui nous restent là depuis quelques temps. Eh, hey, mange. Tu vas t'occuper un peu. Oh, chasser encore un ours géant, mais il y en a marre. Se renseigner auprès des habitants sur la vie à Shabbat. Très bien, on va demander à Jourdain le cerf. Ah oh, putain, il casse couille. Cuir chez soi. Toi. Vas-y, on va te demander à toi. Qui es-tu, toi? Absalinthe. La vieille fille. Lunette est arrivée, Sa Majesté. Alors, c'est très frustrant. Le professeur... Alors, pardon. Même si votre proposition d'enseigner à Chabit me tente, il y a actuellement à Commercial une petite révolte qui rend tout déplacement très dangereux pour les intellectuels. Aucune résolution du conflit ne s'annonce, mais je vous tiendrai au courant. Le professeur Hilaire de Commercial. C'est très frustrant. Le professeur a notre argent, mais il est bloqué à Commercial à cause d'un conflit interne. Voyons ce que nous... Voyons si nous ne pouvons pas le faire venir ici par tous les moyens nécessaires. J'ai peur de ce que tu vas me faire faire. Planifier une attaque de diversion contre Commercial.
T'as... C'est bon, elle a discuté avec... Ok. Planifié. Non, ça doit être là. Ok. Charleris a remporté une belle victoire. Parfait, je peux amener des troupes de mercenaires à la frontière de Commercial discrètement, grâce à la forêt qui nous cachera. Ensuite, les troupes distrairont ses principaux gardes. Cela devrait nous donner assez de temps pour que le professeur quitte Chabit. En toute sécurité. Mais non, qu'il quitte pas Chabit, qu'il arrive à Chabit. Mais qu'est-ce que tu me fais? Lancer l'attaque de diversion. Donc il faut que j'aille à la forêt et... Oh là là, deux chabites, là 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 là, dans la forêt. J'ai cru entendre le ours gueuler. Alors, lancer l'attaque de diversion. Vas-y, cocotte. Après, on va chasser l'ours. On va en profiter pour faire en même temps. Notre diversion a suffisamment distrait les troupes de Commercial pour que notre cher professeur puisse quitter Chabit sain et sauf. Je devrais aller voir et l'accueillir dignement dans cette ville. Oui, je suis d'accord, cocotte, mais tu dois aussi chasser l'ours. Ouais, chasser l'ours géant. Donc on y va maintenant, et puis comme ça on sera tranquille. Alors que la châtaigne Charderis Lilius s'était arrêtée pour manger un morceau dans un caravane. Alors, t'as ch chopé un chevreuil. Nous, on veut de l'ours. Charleris se promenait sur un chemin forestier inconnu jusqu'à tomber sur une source effervescente, sentant légèrement le soufre. Oups, les contes fantaisistes pour enfants à propos des sources secrètes curatives se mirent à danser dans sa tête, boire une gorgée. Les contes disaient vrai, cela devait être une merveilleuse source curative qui apparaissait de temps à autre. Ne pas y toucher. Non, plus ça sent le soufre, je suis désolée, mais ça pue le soufre, hein, c'est pas possible. Hein, donc. La châtaigne Charleris, l'illustre, poursuivit son chemin, regardant une dernière fois par-dessus son épaule, en se demandant s'il s'agissait de la bonne décision. Ne jamais sortir du chemin, ne jamais sortir du chemin, se rappelait-elle, en laissant derrière elle la mystérieuse source. Charleris expédia dans l'autre monde un daim qu'elle avait traqué dans la forêt. Après avoir rapidement et proprement vidé l'animal, elle rentra avec trois morceaux de venaison de premier choix. Mon Dieu, pauvre bête. Bon, en ces temps-là. Ah mais elle est là, cette bouffonne. Va chasser le... Chasser l'ours géant. Voilà, mais en ces temps-là, oui, au moins ils tuaient eux-mêmes leurs bestiaux. Hein, parce qu'aujourd'hui, si on devait tuer nous-mêmes les bestiaux pour avoir de la viande, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le ferait, hein, qui boufferait de la viande. Hein. Voilà. Charleris suivit un ours noir dans la forêt jusqu'à son terrain de chasse. Le prenant surprise, n'est-ce pas? Elle réussit à l'aide d'une seule flèche à abattre l'amateur de miel. Elle découpe ensuite quatre morceaux de choix sur la carcasse de l'animal. Pauvre bête. Mais on a rempli nos obligations. Par contre, qu'est-ce qu'elle a? Aveuglée par l'orgueil. Rimbert, le paysan, la paysanne. Souverain. Envoyé au pilori. Amical. Discuter de la situation du royaume. Vas-y, discute. Faut que tu ailles accueillir le prof aussi. Ça doit être lui. Bienvenue à Shabbat. À Shabbat. Regardez, c'est mignon, il marche. Alors, c'est lui le prof. Il a oublié de ses cheveux. Hé, monsieur, vous avez oublié d'emmener vos cheveux. Je suis très content d'avoir quitté Commercial pour le moment. La situation y devenait problématique. Mais on dirait que j'ai oublié ma poupée d'enseignement préférée chez moi. J'ai cru qu'il allait dire j'ai oublié mes cheveux. Genre non, mais alors là, j'aurais été morte, quoi, vu que je venais de lui faire la blague. Bref. J'en ai vraiment besoin pour être efficace et je ne crois pas être la bienvenue à Commercial actuellement. Pourriez-vous aller me la chercher? Putain, et on doit tout le temps aller dans la forêt, quoi. C'est pas possible. Elle est toujours pas là, ta domestique? Non, mais c'est du foutage de gueule. Tu vas faire à manger? De toute façon, on a plein de viande, hein, donc forcément, ça va être facile, hein. Une soupe d'ours. Je sais pas quel goût ça peut avoir l'ours, mais perso, je sais pas. Et mes enfants, ils dorment où? Tu vas dormir là, cocotte. On va aller faire ça demain. La reine va se coucher et tout le monde va se... Il est où notre... Ah, il est là notre mari. Regardez, il s'occupe de son fils. Oh, c'est trop chou. Par contre, son fils, il a une voix de fille. C'est un problème. C'est un très gros problème.
Mais bon. Et si on faisait... Attends. Attends, viens faire des bisous à ton mari. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'elle tente qu'elle se lève. Voilà. Viens là. Ah bah, voilà. Romantique. Baiser timide. Romantique. Embrasser. Romantique. Se tenir par la main. Jouer la sérénade. Oh là là, c'est du bon roulage de galoche, hein. Comme on n'en fait plus, étreinte romantique. Oh là là. Embrasser passionnément. Son mari, quand même, hein. Allez, on va... On n'a pas encore... On peut pas encore faire crac-crac. Bon, on va continuer un petit peu, alors. Romantique, susurrer des mots doux. Ah, voilà, on va faire un petit crac-crac. Allez! Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait ça, les enfants. Wouh! Voilà, hein, un peu de bon temps pour la reine. Ça sera pas de refus. Notre mari s'en est allé après nous avoir ravis cette nuit. Voilà, sommeil réparateur, s'amuse beaucoup, bah tu m'étonnes. Bon, est-ce que les domestiques sont enfin là? Mais putain, mais c'est une blague ou quoi? Oh, mais c'est chiant. Ça va, Anaclette? Comment tu vas bien? Il s'en fout, d'accord, super. Une soupe à l'oignon. Mais tu vas puer de la gueule. Eh là, cette conne! Le domestique! Mais quoi? Mais t'es sérieuse, Daenerys, là? Allez, appelle, là. Voilà. Tiens! Ma gosse, elle m'a piqué ma bouffe, quoi. Quel est le fuc? Ah, ça, c'est pour elle. Ça, c'est pour la reine. Bonne nappe, chère Iris! J'aime bien ce que... Dans les Sims médiévales, quand on leur demande d'aller vite, ils vont vraiment vite. Et c'est hyper appréciable par rapport un peu aux Sims 4 où des fois on se demande si vraiment ils vont le faire. Ah oui, il faut aller à la forêt. Comme d'hab. Comme d'habitude. Et hop, des nouvelles trucs à faire. Allez. J'adore. Hop, et c'est récupérer la poupée. Allez, go. C'est y part. Mon petit. J'ai la poupée, je ferai mieux de l'amener à ce professeur pour qu'il puisse commencer à enseigner. Tout à fait, René. Attends, non, par contre... Oui, c'est bon, il est là. Donnez la poupée. Parce que j'ai eu peur que je l'emmène au château alors que lui, il était pas du tout... Voilà. Vous êtes sûr que vous avez pas oublié vos cheveux, hein? Par contre, elle a un bug, elle est obligée d'être toujours arrivée à cette porte-là avant de faire sa life, quoi. Oh, la poupée, elle est bien flatte, hein. Un juke. Merci! Alors, attendez. Merci, je devrais maintenant avoir tout ce qu'il me faut. Je vais commencer par mettre en place ma classe en plein air dans la forêt avoisinante. Bien sûr, comme d'habitude. Vous devriez rassembler les paysans et venir me rejoindre pour la première leçon. Qu'en pensez-vous? C'est pas con! Ouais. Très bien. Oh! Je dois trouver Rimbert et l'envoyer dans la forêt pour la leçon de lecture. Envoyer dans la forêt. Hop, envoyé dans la forêt, et hop, envoyé dans la forêt. Ouais, les cocottes! On va par Mons et par Vaux. C'est génial, j'ai toujours voulu apprendre à lire et à écrire, mais il y en a moyen qui est content. Non mais... Vous avez réussi à nous trouver un vrai professeur, je vais tout de suite aller dans la forêt. Bah ouais, écoute, nous on a la classe. Hein. Putain, mais ils sont où tous ces villageois? Nous pourrons lire des livres tout seuls après ça, ce serait vraiment formidable. J'ai envie de loler. Allez, on va encore à la forêt. J'en ai marre de cette forêt, je vous jure. Tout le temps aller dans la forêt. Allez, vas-y, cocotte. Là, pour le coup, c'est faire passer un édit et rédiger de nouvelles lois. Bon, bah, ça va être facile. Alors, donner une leçon de lecture au groupe. Allez, go. Les paysans sont en route dans la forêt. La châtelaine Charleris élue se rendit à l'extérieur et
éclurieur et y trouva les paysans déjà installés. Le professeur était en train de distribuer les manuels aux élèves. Charles-Henri sourit et présenta le professeur aux paysans. La leçon commença véritablement. Très vite, tous essayèrent de répéter et apprendre de nouveaux mots. Ils avaient l'air d'apprécier la leçon. Mais c'est formidable! Et en plus, j'ai réussi la quéquette! Mais c'est formidable! Promu, oui, mais j'étais déjà souveraine. Alors, la châtaigne sur les ris, l'illustre contempla son royaume, le sourire aux lèvres. Les feux en forêt avaient cessé et les paysans avaient fait des efforts pour apprendre à lire. Flaminia, qui faisait partie des paysans qui, il y avait encore quelques jours, détruisaient encore des livres, était même venue remercier Charles-Héris de l'avoir aidé à apprendre à lire. Faire de l'éducation priorité avait permis d'obtenir des résultats. Eh ben, c'est super, moi, les enfants. Et alors, on va voir notre niveau. Le bien-être est faible, la sécurité est neutre, la culture est neutre et la connaissance très élevée. C'est génial. Bon, la culture, il va falloir améliorer, la sécurité et le bien-être aussi. Je pense que pour l'épisode prochain, on va créer un espion où on a encore le marchand, le barde. Et enfin, il y a le médecin et compagnie. Donc, de toute façon, on a beaucoup de choses encore à voir pour les Sims médiévales. Cet épisode sera un peu court. Et oui, parce que bah, ça me change, ça me fait du bien aussi d'avoir des missions qui vont vite, parce que celles que j'arrivais pas à finir en un épisode, ça m'agaçait un peu. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous embrasse très fort, je vous dis très bientôt pour la suite des Sims médiévales ou d'autres choses. Allez, salut!